Film, ça tourne comme on dit. Voilà, je garde le câble avec moi. Au moins, c'est bien, je le recharge et je filme en même temps. Oh l'autre. Non, j'ai gagné. Non. D'ailleurs, je vais peut-être me retourner pour vous montrer la distance entre l'arbre et la table où j'étais assis, sachant que j'étais assis au D'accord. fond. Oui, Ouais, comme pardon. tu veux, je te suis. Attends, je vais tourner la caméra. Attends, j'ai un peu montré la. Enfin, oui, c'est vrai qu'on l'avait vu à l'arrivée, mais. Moi, je m'étais assis au fond, et c'est à partir du fond que j'avais tiré les marrons. Je suis fier de moi. Oh, ah oui, ça. Ouais, on sent qu'on sort de table. J'ai eu un petit coup au genou. Le temps que les muscles se retendent, se raffermissent, on va dire. Nous commençons le tour du parc de Bravoire. Ouais. La Chacolle, c'est un joli parc. Ah oui, voilà, pas trop vite. On digère maintenant. Pardon, la vache, je m'enrhume. Alors, tu me poses une colle, je sais pas mon truc, Louisiane Vacances, c'est la marque des box. Non, c'est des box vacances, mais. Ouais, mais non, je dirais pas mobile home. Je sais pas. En hauteur par rapport au sol pour éviter la. Ouais, pour éviter d'avoir les pieds dans l'eau. Non, c'est précautionneux, c'est bien pensé. Alors peut-être ce qu'on peut se risquer, c'est de sortir tout droit, Tu tout veux de dire? suite. Oui. Pourquoi je te propose ça? C'est parce qu'on est justement à proximité de l'endroit Où on a où je te été dis avant. qu'on peut. Non, oui, alors aussi. Mais c'est pas là où je veux en venir. Je D'accord. voulais te filmer l'angle de virage de l'hippodrome hippique sportif, l'hippodrome Nancy-Brabois, qui est célèbre dans les courses hippiques. Justement, il faut prendre la sortie là pour s'en approcher. D'accord. Ce qui nous empêchera évidemment pas de revenir après dans le quart d'heure qui suit. Oh, pardon, quelle horreur. Il fallait que ça sorte, comme on dit. Je me ravis devant la caméra, c'est un rototo, c'est magnifique. Oui, non, mais ça aussi, ça va être clippé. Je suis vraiment pas exprès, mais vous pensez bien sortie de table après deux bons cafés qui tassent le sandwich. On fait quelques pas, il est évident que ça va. Excusez-moi, c'est la nature. Ah oui, tu veux soulager ta vessie. Oui, c'est irréversible, une demoiselle. Je me demande même si sortie du parc, tu n'auras pas plus de chances de soulager ta vessie dans un buisson. Et là, un Pokémon va te crier son nom. Ah oui, mon pauvre. Ouais, bonne question. C'est vrai que la pousse pissou. Dans la toti, la tuta. Dans la toti, la tuta. Oh, une œuvre d'art. Une œuvre d'art en bois sculpté. Je filmerai après. Alors, attendez, madame. Ouais, c'est vrai qu'on est poursuivi par la madame, on est cerné par les madames. Oh, c'est moche, c'est muche, tu peux pas soulager ta vessie. Là, regarde. On va aller pas. Ouais, il faut aller au bout de ce chemin. Alors, je sais plus qu'il y a combien de mètres, il y a peut-être 150 mètres finalement, je sais plus. Mais je me souviens qu'au bout de ce chemin, on peut voir, en espérant qu'ils n'ont pas modifié là aussi l'aménagement, on peut voir sans forcer le virage du. Non, attends un peu qu'on soit plus cerné par la végétation pour discrètement soulager ta vessie, mon pauvre. Parce que là, c'est vrai que la circulation, tout le monde peut te mater. C'est pas très. Voilà. Thank you.
Ils rentrent les voitures. Ouais. La vache. Pas les petits chemins. Là-bas, je pense que c'est à l'angle opposé que les sorties. Que les voitures sortent. Vous êtes payant ce parking ? Payant, non. Contrôlé, possiblement. Je sais pas s'il y aurait une barrière, tu sais. Je sais pas. Là-bas, il y a une entrée. Ouais, je sais pas. Je sais pas, je t'avouerai que j'ai un doute. Ouais. Donc là, avant, j'accouche le truc de camping de Bavre. Et plus loin sur la gauche, on aura l'hippodrome. Le fameux. Ya. Mickey. Oh le vilain. Trois étoiles. Ouais. Attention au câble au sol, il y a des prises au sol. C'est là où là il y avait le centre de contrôle des ondes, ou alors ils ont déménagé. Ah voilà. Alors c'est un peu moins accessible que par le passé. Bah tiens, toi qui parlais de sable, regarde-moi ça. Voilà. Sable quoi? C'est le sable. Ah le sable. L'hippodrome Nancy-Brabois de Vla. Celui où il y a les fameuses courses. On voit que c'est sacrément chiquement entretenu. T'as vu les magnifiques sapins cônes au milieu de la piste? Ouais, je vois ça. C'est très avec bien entretenu. Parcours. Ouais, c'est beau. Voilà, c'est là où il y a les courses hippiques. Et nous, en ce moment, on reçoit les courses hippiques d'Alsace. Parce qu'en Alsace, ils sont en travaux. Donc, ils sont délocalisés chez nous pour la saison. Donc, depuis début septembre, il y a des chevaux qui courent régulièrement ici. Oh, on voit même un tracteur au loin, au niveau de la tribune opposée. Ça s'est fait. Oui, il y a un tracteur qui nettoie. Eh, je voudrais pas dire, mais il y en a qui ont le luxe de voir les courses hippiques. Hein. On voit qu'il y en a qui ont des fenêtres, même là-bas, l'espèce de bâtiment beige crème là-bas en face. Ouais. Le gars, il est amoureux des courses hippiques, il a une longue vue, il voit toutes les courses gratos depuis son balcon. Hein. C'est l'hôpital, là-bas. Le gros bâtiment là-bas. À gauche. À droite. Sur la droite. Oui. C'est une des antennes du CHU de Brabois, ouais. Ah là là, et ben je suis content. L'image là, je voulais vous la montrer. Donc c'est bien là, vous voyez le parc hippique Nancy-Brabois. Du coin
en nord-est. Ouais. Non, dans ta situation, mon pauvre, oui. Sanitaire de soulagement de vessie. Oui. Alors, c'est limite si tu pourrais pas faire ici d'ailleurs. Ouais, non, mais c'est une porte. Pardon, excuse-moi. Il faudrait limite une petite rivière, mais il n'y en a pas. Là, ça a l'air d'être trop, trop... Ouais, c'est la fin du chemin. Oh, mon pauvre. Après, c'est pas urgent, urgent. Mais... Ouais, mais il faut pas que tu te mettes dans le mal non plus. Mais il n'y a pas de... Ne t'inquiète pas. Attends, il y a quasiment personne entre les deux buissons. Regarde, on va rebrousser nos chemins. Tu t'arrêtes au niveau des baies à fruits empoisonnés, là. Ouais. Et tu soulages discrètement ta vessie. Et puis moi, je ralentis, tu me ralentis. Tu me rejoins plus tard. J'y vais tout doux, et puis voilà. T'as tu presque même aller là. Oui, c'est vrai, il y a du passage, t'as pas de bol. Oui, c'est plus discret là. Allez, je te laisse mettre à ton aise. D'ailleurs, je suis en train de constater que je perds mon froc. Ils vont me voir sortir des buissons en train de remonter mon froc, ils vont se poser des questions. Mais c'est quoi ces mecs qui sortent des buissons et qui remontent leur froc? Que signifie? Oh, on a été repéré par un chien. C'est un... Comment on appelle ça? C'est pas un teckel? Un fox terrier? Oh, je ne sais plus. Sois à ton aise. À tout à l'heure. Il y a des prises au sol. C'est du dur. Nous avons creusé la route d'un homme pressé. Et il court bien, ce jeune homme. J'ai pas regardé, mais il est 13h30. Il est 13h30. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Nayane? Ah, je ralentis vraiment parce que j'ai perdu Nayane de vue. Ah, ça fait partie du camping, ça. C'est du bâti, ce truc-là. Bizarre. Oh mince, faut que j'en regarde où je mets les pieds. Qu'est-ce qu'il fait? Bon, je sais pas ce qu'il fait. C'est du poil à gratter, ça? Ah oui! Effectivement, c'est du poil à gratter. Ouais, on va vers la... Oh, 14h, j'abuse. Ma montre indique 13h37. Ah, oh, c'est cool!
Ah, le voilà. C'est cool, c'est cool. Qu'est devenu le parc après toutes ces années? Ah, le gel, oui, j'ai envie de dire, c'est un peu tard. Ouais. Mais non, c'était gentil, merci. Alors, j'allais dire, j'ai le mien, mais pas dans le sac de rando, j'ai le mien dans mon. On va dire ma sacoche de travail quand je me déplace. J'ai mon gel hydroalcoolique sur moi. La petite commission. Ah, la petite, tu m'as fait peur. J'ai cru que cette fois-ci tu avais envie de. Ouf. Non, ça peut arriver, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Pénissac. Bah, si, le parle, ah, c'est les mecs qui bossent sur le toit en face. J'ai vu, j'entendais des détonations. Mais les mecs, en fait, ils jettent des trucs depuis le toit et ils remplacent les tuiles. Gauche toute, ok. Ah oui, pause, pardon. Mais sculpture sur bois. Voilà, je peux pas passer à côté de la sculpture sur bois, elle est magnifique. Oh, mais regarde-moi les artistes. Et encore, je filme mal. Voilà, je devrais filmer les deux. C'est beau. Magnifique. Puis on voit les autres derrière. C'est joli, il y a un champignon gravé sur le flanc de la table menhir. Nous, ça en bois en Lorraine, il n'y a pas de pierre. C'est vraiment de la Gaule, ça. Oh, écoute, je crois que oui. C'est celtique. Ouais. C'est un mauvais jeu de l'eau, évidemment. Ouais, ouais. Le bus par le parc de Brabois depuis Nancy. Ouais. Comme c'est en hauteur, il y a beaucoup moins de monde. Mmh. Dans le parc Sainte-Marie ou le parc Pépinière ou au parc Paul-Ry, il n'y a pas grand monde. Le parc Monté, le parc Charles-Croix, le parc Botanique, il y a plus de monde au parc Botanique. Mmh. Il y a une partie publique et une partie payante au jardin botanique. Et B. D'ailleurs, c'est là au jardin botanique qu'on voit un bergamotier qui est conservé, qui est conservé dans un endroit très aménagé exprès pour qu'il tienne. Mmh. Température, humidité, tout ça. Oui, dans soleil, sa biosphère. La biosphère. Mmh. Mmh, c'est bien. Alors, on a le choix, à gauche ou à droite? Ah bah à droite. Parce que gauche, on va se manger des toiles d'araignée, tout ce que tu veux. On va se manger un guet-apens. Oh écoute, je sais pas, mais tu rigoles. Mais... Non, non, autant prendre le beau chemin en craie blanche, là. Ouais. C'est chaud, hein, pour un mois d'octobre. Oui, non, mais c'est n'importe quoi. Ouais. On devrait avoir, là, actuellement, on devrait avoir, je sais pas, c'est quoi les normales de saison. C'est que c'est 14, 15, 16 l'après-midi. Ouais. Là, on a 27, presque. Là, je crois que le plus chaud, ça prend, c'était 25 à Nancy. On vient d'entendre des petits grillons, justement. Par température élevée. Mais non, là, pour la saison, il fait beaucoup trop chaud. C'est vraiment délirant. J'ai l'impression qu'on s'est trompé de planète. Ouais, je ralentis un peu.
Alors moi je suis un peu inquiet par rapport à Minecraft, parce que j'ai encore regardé tôt ce matin, quand moi je m'étais réveillé à 6h du mat. J'avais mis le réveil à 8h, et puis naturellement 6h du mat. Et une fois l'ordi allumé vers les 7h30, j'ai dit tiens je vais regarder, parce que Torota m'avait relancé en disant ouais le sache, j'ai des nouvelles du serveur Minecraft, est-ce qu'on peut y jouer ? Et bien qu'il n'était pas pressé, mais il faisait bien de me relancer. Et j'ai regardé ce matin, il y a mon prestataire de service qui ne me propose toujours pas la 1.20.2. Je suis bloqué à la 1.20.1. Mais le problème, c'est que, n'ayant pas le serveur modé à jour, on peut pas se connecter. Et il me propose toujours pas de déployer les nouvelles mises à jour. Est-ce que ce n'était pas possible d'héberger sur un petit ordinateur directement serveur pour toi, plutôt que passer par un hébergeur de service? Le temps de dépanner, je pourrais. C'est vrai que je pourrais faire configurer mon propre ordi. Mais ça oblige à avoir un ordinateur allumé tout le temps. Alors, non seulement ça oblige à l'allumer tout le temps, mais tu partages des ressources. Donc moi, je pourrais peut-être plus avoir de ressources pour bosser. Ah oui, c'est ça. Donc, sachant que je fais beaucoup de manip à distance de serveurs de NAS, ça va pas aider. J'aimerais éviter... Mais j'ai l'impression qu'ils sont toujours en retard pour ton prestataire de service pour Minecraft. Alors, non, honnêtement. Pourquoi ? Non. Parce qu'en fait, c'est pas de la faute du prestataire de service, c'est de la faute de l'éditeur de la version modée. D'accord. Me concernant techniquement, j'utilise une version dite Budget. Et de base ? Modée ou de base ? Non, Budget, c'est modé. D'accord. Donc, il y a toujours un décalage dans le calendrier entre la sortie officielle d'une mise à jour de la version de base. Okay. Par rapport à une version modée. Alors des versions modées, il y en a plein. Mais avant, j'étais sous Forge, qui est une sacrée usine à gaz. Mais là, pour des raisons de simplicité, parce qu'en fait, Budkit, sa force pour cette version modée de Minecraft Java édition, la force de Budkit, c'est que tout se fait côté serveur. C'est-à-dire que si quelqu'un veut jouer avec nous, rejoindre le serveur, il n'a pas besoin de télécharger préalablement les mods que moi j'aurais injecté côté serveur sur son PC. D'accord. Tout se fera à distance. À l'inverse justement de Forge. Forge, avant de pouvoir rejoindre un serveur modé, toi tu dois télécharger et installer tous les mods sur ton poste de jeu client dans la bonne version. Alors, quand t'en as beaucoup, je te dis pas les couacs, parce que tu peux avoir des diverses erreurs et variées en fonction de ta config matérielle ou autre. Avant de pouvoir rejoindre le serveur de jeu. Donc pour des raisons pratiques, Il y a des délais aussi moi quand avec le serveur de camion. Donc il déploie la mise à jour et c'est qu'une semaine ou 15 jours après que je peux toujours des fois exploiter installer le serveur dédié. Parce que techniquement ça s'explique. C'est malheureusement nécessaire, ça peut pas être instantané. Mais là, je reconnais que cette version là, c'est pas de bol, mais ils mettent du temps à l'obtenir. Peut-être que justement, ceux qui proposent la version modée Budkit font face à des défis techniques qui sont plus balèzes que d'habitude pour cette nouvelle sous-version. Ouais. Et il est urgent d'attendre. C'est frustrant, mais on est coincé. On peut pas aller plus que la musique. On est obligé d'attendre que l'éditeur de la version modée Budkit le propose à mon prestataire de service avant que je la déploie moi. Tu veux dire? Ce que je montre aux gens qui regardent la vidéo, là, les arbres étaient trois fois plus grands qu'avant la tempête de 99. Trois fois plus grand. C'était beaucoup plus boisé. Ça paraissait beaucoup plus boisé. Donc là, on arrive au bout. Il y a le centre du parc. Enfin, le centre. En direction de là où on est arrivé, nous, ce matin. Là où il y avait les chevaux. Là qu'on arrive. Ouais. On est arrivé par là. Tiens, d'ailleurs, en parlant de chevaux, je me demande s'il y en a pas un qui arrive vers nous. Non, c'est un piéton normal. Un vélo, peut-être. Ouais, bon, bref. Quelque chose arrive sur nous. Ouais, sur nous. C'est à base d'humains. Oh, un centaure. Il a fusionné avec son vélo. Avec son vélo, oui, bien sûr. C'est pas grave. Moi aussi, tout à l'heure, en sortant de table, j'ai décalibré mon froc et fallait que je me refagote pour pas l'avoir sur les genoux. Oui, tu commences à avoir chaud. Hein. Ah, le soleil tape, le soleil donne. Chemin panoramique. Oh, alors, il faudra ralentir davantage. Le chemin panoramique. Parce qu'à la fin, c'est plus pentu. Oui. Le parc est plus pentu. Ouais. Non, mais on va avoir une vue magnifique.
Et je pense qu'on va s'y arrêter longuement parce qu'il y a au moins un banc, si c'est pas deux, en espérant qu'il soit disponible pour nous. On s'y posera, je tiendrai le bras tendu, la caméra s'il le faut, mais la vue sera prenable. Ah, ça me fait bizarre, tu vois, le chemin là, moi je l'avais arpenté, je crois, voilà, on va dire il y a 6-7 ans. C'était en 2016. Et toi, tu m'as dit 2012, toi. Oh la vache, ouais. Ça fait plus de 10 ans. Quand j'étais au collège, on fait des courses d'orientation ici. Ouais. Eh bien. Est-ce que t'es bien encadré, là? On voit un peu la fibre des arbres, tu as raison. J'étais passé au niveau du sol. Bien vu, bien vu. Je vois pas de ravic à droite. On va. Comme tu veux. J'ai envie de. Tu veux. Pour que les gens voient. Parce que je n'ai pas de ravic, je sais pas. Je pense que là c'est pareil. Donc on va vers le belvédère. On va au belvédère alors. De toute façon, on fera les différentes variantes. Peut-être que tout à l'heure on montera par là. Écoute, je sais pas. Ouais. Mmh. Ouais, ça grimpe un peu là. On prend de l'altitude ici. Oh, des moutes-moutes. Des moutons, on parlait de bravo. On se croirait au plateau de Malzéville. J'ai mis des moutes-moutes. Bah là, on peut filmer, vas-y. Bah oui, tu m'étonnes, c'est déjà fait. Je suis du bon côté pour le tournage. Oh, les moutes-moutes. Ils ont dû avoir du boulot pour dégager tous les arbres. On n'en parle pas. Bah d'ailleurs, je pense que cet afflux anormal, massif de bois sur le marché, ça a dû faire la panique au niveau des prix. Et le prix, je sais plus comment, c'est quoi l'unité, c'est les sesterces, je sais plus, de bois. Ça, le prix a dû s'effondrer parce qu'il y avait beaucoup trop d'offres. Ouais. Oui, oui, on voit les quadrillés avec un fil. J'ai revu la personne qui. J'ai pas pensé à lui poser la question si vraiment elle avait fait le toucher de fil. Il y avait les deux personnes qui. La personne qui m'a raconté qu'il l'avait fait et la personne qui l'avait vraiment fait. Ouais, ouais. J'ai complètement zappé de lui poser la question. Parce que j'ai fait une partie de. J'ai enfin pu jouer avec une société que j'avais acheté il y a 3 ans. Ouais. Le Twilight Imperium, j'ai pu faire une partie à 3 et on a réussi à faire une partie. Mais c'est complexe. Eh bien. Ah, notre plateau de Malzéville, il est en face, on voit l'antenne. Les jeux trop complexes, j'ai testé et c'est pas fait pour moi quoi. C'est vraiment. Bah. Voilà. T'as un pavé de règles comme ça quoi. Oui, ouais. Mais bah, le dernier que tu m'avais invité. Oui. Alors, ça, déjà, il fallait, ouais, fallait s'initier avant de venir chez toi parce ouais. Que. Heureusement que j'ai trouvé deux vidéos sur YouTube. Ouais, ouais. Entre les Québécois et les Français, c'était bien que j'ai les deux versions.
Mais au moins, c'est une bonne position. D'ailleurs, c'est ce qu'on avait fait pour la partie qu'on avait fait avec les potes ensemble. On avait révisé les règles. Mmh. Ils ont découvert les règles et puis on a pu jouer. Eh bien. Grand arbre sans branche arrière. Ouais, ouais. Tu rigoles, mais l'arbre là, je le connais de la dernière fois que je suis venu ici, il était déjà là. Il n'a pas changé l'arbre là. C'est bien, c'est un bon paratonnerre. C'est ce que j'étais en train de me dire. J'y suis là, il doit être escapé parce que les années passant, il avait une probabilité de se prendre la foudre. Tu veux pas t'arrêter là ? Bien sûr, on peut. Oh merde, c'est énorme, la vue elle est bien. Puis je vais reboire un coup moi déjà. Mais regardez-moi cette vue, le rêve. Alors, je peux t'affirmer, bon là c'est encore touffu, feuillu, je le verrai mieux en hiver. Je t'affirme que le banc sur lequel on s'assoit là, ouais. Je le vois depuis chez moi. Je prends ma paire de jumelles et de... Ouais. Et je t'affirme que je le vois depuis chez moi, à la paire de jumelles, ce banc. Donc t'habites par là. Ah, j'habite, sans des trop d'indices. Je suis pas très loin de l'antenne, hein, de là où on est. Hein. Je suis pas très loin de l'antenne. Hein. Bon, là, c'est trop feuillu, les arbres se portent bien. Donc, la vue est pas dégagée. Mais. Ah, tu descends un peu en bas vers la droite, là où tu vois pas mal de baraques. Tu vois un grand immeuble beige. C'est le grand immeuble beige, on passe à côté de temps en temps qu'on monte sur le plateau. Ouais. Disons que je suis un peu en dessous, quoi. D'accord. Bon, là, je la vois pas littéralement parce que c'est trop feuillu. Il y a des branches qui me dérangent dans ma vue. Mais j'aurais ma paire de jumelles, ça serait plus dégagé. Je pourrais mater mon logis d'ici. Alors, je vais là, tu retournes chez toi et je te fais des signes. Je prends une photo. Ouais. D'ailleurs, on voit le stade Marcel Picot là-bas. Attendez, je vais essayer de vous zoomer le truc. Malheureusement, est devenu obsolète. Oh, ils vont le recycler le stade, t'inquiète pas, même si on a été relégués. Ah merde ! Ah, je viens de découvrir un mode. Pub ? Non, un mode zoom. Ça pourrait expliquer pourquoi précédemment j'avais des plans flous. Faut vraiment que je relise le manuel du téléphone. J'avais fait la première utilisation et depuis, j'ai oublié plein de trucs. Voilà, vous voyez ça là-bas au loin, le truc horizontal, c'est stade Marcel Picot. C'est notre fameux stade nancéen. Boing. Non, je vais poser la caméra quelques instants parce que je vais boire un coup. Ouais, vas-y. Attends, pourquoi le... Attends, plus bas. Plus bas. Voilà qu'on voit un peu la verdure. Attends, je vais retirer le. Ah. Oh, pardon. Oui, il va pas aimer, mais il va gueuler en disant que tu me déstabilises à donf. Je retire le cap pour accéder. Et comme tu dis, je suis remonté moi aussi mon froc. Ah, là, à mon avis, ceux qui me suivaient, ils voyaient mon slip. Hein. Oui. Ça va pas. Ceinture. Ah ouais, t'as pas de ceinture? Non, j'ai pas de ceinture. Je devrais en mettre, c'est vrai, parce que j'ai perdu du gras. Ouais. Justement, merci, grâce à toi, avec les promenades qu'on a fait depuis. Ouais. Bon, moi, je suis mal fagoté. Mais. Non, j'ai perdu du gras, c'est bien. Et du coup, effectivement, j'ai des pantalons, faut que je me méfie. Alors, il y a des pantalons où je rentrais plus dedans, je re-rentre à nouveau dedans depuis le milieu de l'été, je suis ravi. Si ça me permet de pérenniser un peu plus longtemps les pantalons. Alors, pantalon aussi bien de jean que de costard, quand je dois me pinguiner. Et oui, il faut que je ressorte effectivement pour l'hiver les ceintures. Parce que j'ai les frottes qui se barrent. Je te la goûte. Alors, ma flotte à moi perso, elle est là. Excusez-moi.
habitue bien pas aux apparences. Du coup, je vais regarder quand même mon téléphone si j'ai pas d'appel urgent. Oula, je suis rentré dans une toile d'araignée, moi. J'ai un superbe fil d'araignée blanc. C'est quoi, une araignée tout à l'heure? Ouais, mais là, c'est un fil épais, la vache. Je suis resté bloqué sur la photo des marrons. Avec... Ça fait une belle photo, hein? Ouais, t'en as besoin ou pas? Ah, je veux bien t'en chiper un peu, ouais. S'il vous plaît, monsieur, du gel hydroalcoolique. Top, merci. Vous êtes un chef. Merci, monsieur. Vous êtes généreux. Merci, monsieur. Vous serez très généreux. Comme dans l'hélicoptère Shailou dans Command Conquer General. Nous servons des dosiers. Oh, il se casse la gueule. Merci. Oui, j'ai besoin que tu es là. Je regardais le paysage et je regardais pas mon sac. Vous qui servons des doses généreuses. C'est une nouvelle cuvée. Ouais. C'est les. Il faudra qu'on se refasse. Les tracteurs en trax. Ah oui, je veux bien, mais attends, faut. Quand déjà t'auras réparé ton ordi, oui, ouais. Je sais, mon pauvre. C'est sûr, je te plains, mais. Ce sera avec grand plaisir avant Noël de refaire une partie avec toi. Ouais. On se passe une soirée, même en semaine. Tu sais que j'abandonne mon Minecraft un soir. Ouais, ouais, ça fait cool. Il faudra que je mette rapidement sous Windows pour refaire le commandement. Il est facile comme jeu, franchement. Il est agréable à jouer, et que la complexité du jeu est très simple. J'aime beaucoup. Ouais, c'est quasiment mon favori, le Generals, dans les Command Conquer. J'aime bien le premier Alerte Rouge aussi. Mais c'est vrai que le Generals, quand il était sorti, j'avais la hype, j'étais à fond dedans. J'ai dit, ah, non, il est pas trop mal, il ressemble à Jeff Empire, c'est pas mal. Tiens. La bête. Je disais que j'ai pris en photo. Ah oui. Papillon de nuit. Papillon de nuit, ouais. Tout à l'heure, en sortant de chez moi. Enfin, en sortant de chez moi. J'étais quand même plus loin. C'est ton voisin. Non, même pas, mais dans le quartier, on va dire. Non, mais c'est pas vrai. Il me propose des trucs informatiques, c'est la folie. Merde. Ah oui, je voulais voir si j'avais des messages SMS sur mon téléphone. Je manipule mon téléphone, je dis, mais qu'est-ce que je voulais faire à un moment d'absence. Excusez-moi, mais parce que on capte la 4G. Non, personne m'en kikine. Génial, cool. Paix et bonheur. Il n'y a personne. Ah, j'ai un contact. Ah oui, j'avais rédigé un brouillon. Et... Tiens, il est 14h, je vais pas l'en kikiner, j'envoie le SMS maintenant. Pardon, je me permets même, tu vois, de faire ma com. J'avais préalablement écrit le message, il ne me restait plus qu'à l'envoyer. Mais c'est pas 6h du mat que... Je l'aurais fait. Je voulais pas déranger l'intéressé. Oui, je vais m'asseoir un peu là. Je vais laisser le. Non, ça peut être décalé. Je le là, tu sors sur le banc et les jambes comme ça. Chlac. Bah tiens, le temps de la pause sur le banc, je vais. Couper. Pas couper. Non, je vais recharger la base, la perche. Puisque lors de la pause déjeuner, j'avais le téléphone en lui-même rechargé. Attendez, je vais passer devant. Oh les clopeurs. Oh les vilains clopeurs. Ah ouais, le paradis. Il fait super bon, merde. Le paradis sur terre. Il y a pas trop de vent, la température est parfaite. Oh là là, on voit les éoliennes là-bas au loin à droite. Ça y est, on t'a perdu. Tu vas dans tes pensées. Bon, je pense qu'on a la liberté et que les autres qui sont là-bas, par là, je ne sais plus où c'est, sont enfermés. Oui, la prison, tu penses à la prison. Ils sont cachés derrière les bâtiments. Ouais. Ah, mais non, s'ils y sont, c'est pour de bonnes raisons. Sauf de malheureuses erreurs de justice. Oui, mais... ça aussi. Parce que j'en ai vu. Hein. Parce que j'ai pas fait de crime, mais il m'est arrivé d'avoir d'être accusé faussement par les autorités. Pas les autorités, mais. Par les personnes qui avaient de l'autorité au collège, il s'est passé un truc, pas eu au lycée, et puis j'ai pas su réagir sur l'instant, et puis du coup, paf, la prof, elle était ailleurs. Ouais, c'est pas cool. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Ouais, c'est passé, c'est derrière toi. Oui, c'est passé. C'est pour ça, des fois, je pense aux gens qui sont en prison qui n'ont rien demandé. Ouais, je suis sûr qu'il y a forcément des erreurs de justice. Ouais, des erreurs judiciaires, c'est terrible, ça détruit des vies, mais bon, c'est un sujet tellement complexe.
Mais non, par contre, alors tu vois, je rebondis sur le sujet que tu abordes de la privation de liberté pour les humains. Alors à Nancy, il y a quelques jours, il y a eu ce qu'on appelle la fête des associations. J'y suis allé flâner pour voir le dynamisme sur Nancy. Et c'est bien, on a une ribambelle d'organisations en tout genre, c'est très bien. Et il y a une jeune femme, une femme, je pense qu'elle avait mon âge, mais elle était d'origine asiatique et si je l'ai bien comprise, elle était chinoise, oui, de je ne sais plus quelle ethnie. Elle m'avait expliqué qu'elle appartenait Ouïghour. À une ethnie, pas les Ouïghours, mais une autre ethnie minoritaire persécutée par le régime actuel communiste chinois. Oui. Eh ben, il fallait s'accrocher, avoir le cœur bien accroché, parce que je l'ai évidemment écouté par politesse, mais à un moment, elle m'a retourné le cœur. Je te donne en brut son propos. Elle m'a dit, écoutez, je suis bien contente d'être en France. Donc, elle sous-entendait qu'elle était exilée politique, qu'elle avait trouvé refuge dans notre beau pays. À ce niveau-là, c'est vrai qu'on peut vraiment se donner des gages de mérite. Mais elle me disait, je l'interrogeais, hein, je lui disais, mais écoutez, du coup, mais vous êtes séparés du restant de votre famille, vous avez des membres de votre famille qui sont restés sur votre terre natale en Chine. Elle me dit, oui, malheureusement, j'aurais plus de nouvelles d'eux. Sur mes terres natales, actuellement, vous n'avez pas intérêt à tomber malade, à vous blesser. Qu'est-ce qu'il me raconte? Elle donne son propos, elle me dit, quand vous êtes une minorité persécutée par le régime en place, quand vous allez à l'hôpital, on ne vous demande pas votre avis, hein. Vous êtes endormi de force et vos organes sont vendus sur le marché. Ok, génial. Vous êtes exécuté sur... Magnifique. Ça m'a jeté un froid sur le moment. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle me dise un témoignage aussi cru. Elle dit, oula. ravi de vous avoir comme réfugié politique en France et qui plus est à Nancy. J'espère que vous avez plaisé, que vous arrivez à vivre une vie à peu près normale. Et voilà, j'avais un peu discuté avec elle après ça. Je lui disais, mais ça va, vous arrivez à vous construire humainement, vous individuellement, maintenant que vous êtes en France. Puis elle dit, oui, c'est bon, maintenant j'ai la famille, j'ai trouvé mon époux, enfant, machin. Ah bon, c'est bien, vous êtes installé. Mais c'est terrible. Hein. Et puis adorable, hein, la femme. Elle me disait, oh, merci monsieur de m'avoir écouté. Elle avait besoin de parler, elle avait besoin de se livrer. Spontanément, tu vois. Et j'ai dit, moi aussi, je lui dis merci à vous d'avoir pris le temps de me témoigner de votre situation et de votre. Il se passe des trucs dans le monde. Oui, il se passe beaucoup de trucs dans le monde, ouais. On s'en rend pas compte. Et d'ailleurs, les technologies, les masses médias, l'internet, il y a je ne sais plus quel psychologue ou une étude collégiale de plusieurs spécialistes psychologues qui disait l'homme n'est pas morphologiquement fait pour s'abeuvrer de toutes les nouvelles du monde. Tu sais, des individus qui sont en grande dépression ou en grande nervosité ou on va dire de manière générale en trouble psychologique, pour ne pas dire psychiatrique, parfois justement la cause c'est d'être trop assommé, abreuvé de nouvelles du monde. D'accord. Et ça peut devenir maladif. Et c'est pas bon. L'homme n'est pas fait pour ça. L'excès, c'est pas bon. Oui, l'excès, pardon. Mais l'excès de bonne volonté, c'est bon aussi. C'est une grande chose. Hein. Mais voilà, quoi. Non, c'est vrai que... Dur. Je me demande si c'est pas l'église de Saint-Max qu'on voit là-bas. C'est pas l'église de... Non, ça c'est l'Axou, ça. Ah, l'Axou, je confonds Saint-Max et l'Axou. Oui, t'as raison, Saint-Max c'est là-bas, près du stade Marcel Picot, justement. Oui, t'as raison, c'est l'Axou qu'on voit. Ce serait l'église de l'Axou là-bas. Attendez. Non, je peux pas prendre la perche puisque je suis en train de recharger la perche, justement. Je pourrais pas zoomer, mais en me relevant tout à l'heure. Ah, qu'est-ce qu'on est bien. Ah, je crois qu'ils réduisent la barre HLM, tu vois, il y a plein de grues là-bas. Oui, il y a des grues, ouais. Des grues chantiers au niveau des grandes barres HLM, où justement t'indiquais la position de la prison de Nancy. Ils sont en train de réduire la barre HLM. Ils sont en train de la déconstruire. Je sais pas comment ils s'y prennent, mais visiblement, ils arrivent surtout à... Ça appartient à Nancy, ça, c'est la ville de Nancy, en fait, la barre HLM. Normalement, c'est pas, ouais. C'est pas l'Axou, ni... Ouais.
Je sais pas. Ouais. Ouais, propriété de la commune. Mais non, ça fait trop cage à lapin, le haut du Lièvre à Nancy. Alors, je ne sais plus si c'est encore le cas aujourd'hui, mais il n'y a pas 10 ans, on avait encore le record de la façade la plus large du monde, à Chalais. Ouais. Alors, sûr de France, peut-être d'Europe et possiblement du monde, on avait la façade d'immeuble la plus longue. Elle fait, je ne sais plus combien, elle fait 1,5 km de long. T'as vu le nombre de fenêtres ? T'as l'impression qu'on a fusionné 12 HLM les uns contre les autres. La longueur du machin, toi, là le bâtiment, c'est un mur complet. C'est une muraille de forteresse. Je rêve, on entend comme des cigales. Bon, il y a le bruit de l'avion au-dessus de nous, mais j'ai l'impression d'entendre comme des cigales. Oui, il y a des petites cigales, ouais, de temps en temps. Oui, les petites cigales, ça fait une impression. Oui, là aussi. Là, il fait chaud, hein. C'est pour ça qu'il y a des cigales. Ouais, c'est fou. Années, il fait encore chaud, ouais. Pardon. Je me mets à bailler. Mais ça me ferait délirer qu'à Nancy on arrive, ça n'arrivera jamais, hein, je ne me fais pas d'illusions, mais je rêverais à ce qu'un jour il y ait un grand prix de formule électrique à Nancy. Je ne sais pas quel tracé de parcours on peut faire, Nancy, ouais. Mais avoir les Formule 1 en version électrique à Nancy, j'adorerais. Bah, ce serait trop dangereux de passer par la VEB, la voie surélevée au niveau de Corqueux. Ah, il faudrait complètement la refaire, la VEB. Elle serait pas aux normes, elle est trop bosselée et mal aménagée pour de la haute vitesse. Ce serait beaucoup trop dangereux. T'imagines une sortie de piste? J'avais pensé, moi, à un bus périphérique autour de Nancy. Parce que c'est toujours en toile d'araignée, c'est comment on appelle ça? En étoile? Oui, 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 étoilé, en étoile, c'est, oui. C'est un réseau, oui, étoilé à Nancy, c'est pas un réseau circuit avec périph. Ouais. Comme le périph à. Il y en a un périph à Paris d'ailleurs, non? Alors. Il y a un tram périphérique autour de Paris, il me semble. Ça serait pratique de Nancy. Comme ça, ça. Je pense que ça serait le bus le plus utilisé pour faire le tour de Nancy. Mais ce que tu dis, je me demande s'ils n'ont pas essayé de le faire. Ouais. Mais il n'y a pas les voies aménagées pour ça. Bah non. Non, non, c'est vrai qu'il faudrait penser au niveau de la voirie en amont, avant. Avant. Voilà, je reprends la perche en main que vous voyez un peu. Donc voilà, moi tout à l'heure je parlais de l'église de l'Axou. Oui, l'Axou de la Sapinière, ouais. Qui est. Alors attends, est-ce que je peux la zoomer? Elle est où? Déjà, il faut que je la visualise à l'œil nu, alors. Parce que sur l'écran du téléphone, c'est pas gagné. Voilà, oui, l'église de l'Axou. C'est celle-là dont je parlais tout à l'heure. La plus longue façade, le haut du Lièvre, elle est là-bas. Voilà, là où il y a l'arbre chelou. C'était ça, c'était la plus longue façade sûre de France. Après, il faut voir si c'est pas d'Europe et du monde. Du moins, il y a 10 ans de ça. Ça a peut-être changé depuis, mais c'était l'Axou. Le haut du Lièvre à Nancy. On dirait vraiment une douzaine d'immeubles à coller les uns à côté des autres. C'est un truc de fou. Wally, Wally. Et là, nous avons un Lyonnais rêveur. Bonjour, je suis très rêveur. Reposez au calme. C'est ça qui est bon. Ouais, rotation. Allez, on repart. Ou tu veux qu'on reste encore un peu? Parti. Ouais, on repart. En route. On va sur la marche. C'est ça. D'ailleurs, attends, okay, il me dit quoi au niveau de la batterie du téléphone? Ah non, il me dit que je peux encore la recharger. Donc je vais la recharger. Bah tiens, je vais filmer ça le temps que je me lève. Vous verrez ça, ça va changer un peu comme plan de caméra. Pourquoi pas une balade?
Mais oui. Et là, là, c'est agréable, tu vois, les pauses, on a du mobilier, on peut poser nos fesses. Je suis en train de faire n'importe quoi là. Oh, mais non, il est fou, on va pas t'électrocuter. Je re-revois un trou. Ça m'a fait hurler. Bah, tu m'étonnes. Mon grand-père est arrivé, ça va pas, non. Tu m'étonnes que ça fait mal. Pour dissuader les animaux de pas se barrer, alors sachant que la plupart des animaux ont une peau bien plus épaisse que la nôtre, je devine que tu l'as senti passer. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Attends, je me bats avec mon câble. Des fois, c'était pas exprès parce qu'en fait, on est dans le champ. Les animaux étaient partis derrière le champ et nous, on passait à travers le champ. On est passé en dessous de la barrière. Des fois, on frottait sans faire attention. Ouais, bah ouais. Et ensuite, on allait se promener jusqu'à la rivière. Et puis, Bonjour la châtaigne. Alors je réenfile dans la chaussette cracra le manche de la perche qui est protégé. Bonjour. Alors je vais bonjour. Hop là, voilà, hop, je rebranche la batterie. On reprend tout doucement, oui, c'est l'activité que tu préfères. Ah. Ah, ah oui, bien. Oh, j'aime bien la demoiselle, j'ai l'impression qu'elle est habillée façon Lara Croft. C'est rigolo. Elle m'inspire Lara Croft. Pardon, rototo, j'ai une montée du bide. Ouais. De... Oh, oh, oh. J'ai senti la pression remonter de l'estomac vers l'œsophage et... Eh, pas mal. J'aime bien la vue du bois. Ouais. La végétation, elle est sympa. C'est beau. Ça, c'est le genre de clairière. Il y a une clairière comme ça sur le plateau de Malzéville. Il y a les biches dedans. Mais trop content, j'ai déjà hâte de revoir la séquence de ce matin arriver à la pépinière avec l'écureuil. Ah, oui. Ah, le fait d'avoir capté l'écureuil, je suis trop content. Ah ouais, c'est bien. Très bien. Je repense à la cuisine, là, ce qu'on avait. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, la vue. Oui, je disais, je repense à la cuisine, là, tout à l'heure, de ce qu'on discutait, que tu vas essayer de faire une des recettes de salade. Ah oui, costaud. Ouais, pour l'automne. Et moi, j'ai essayé de me faire comme des ravioles à base de pâte brisée. Avec, tu sais, la farce des tomates farcies. Ouais. C'est bon, ça. Eh ben, alors c'est chiant parce qu'il m'a fallu une heure de préparation. Déjà, j'ai cuit une première fois la farce à part dans un fond de jus de, tu sais, le Knorr machin là. Oui. Ça sente bon et salé un peu. Une fois que j'ai cuit ma farce, j'ai découpé en ravioles là, avec un outil spécifique là pour faire les beignets découpés dans la pâte, un rouleau à beignets. J'ai fait mes ravioles dans le cercle de pâte brisée là pour faire des ravioles. Une fois que j'ai réduit en petite boule ma farce cuite aromatisée, et j'ai recuit une deuxième fois au four. C'était pas dégueu, c'était pas top top. Et t'as pas frit en fait? Non, nullement. Frit ne m'aurait pas intéressé. Dans un petit peu d'huile, un fondu dans une poêle. Ça m'aurait pas. Non, ça m'aurait pas plu. Je préférais la cuisson au four. C'était pas dégueu. Hein. Donc c'était bon. Oui. J'ai apprécié. J'en referais pas. Je serais animé d'une passion, j'allais dire. Je suis motivé à faire ce genre de repas qu'une fois par an.
voilà, sans plus. C'est quand vraiment ça me manquait, je serais motivé à le refaire. Mais voilà, pour le, on va dire, le gain entre le temps investi à préparer et à savourer, voilà, moyen, sans plus. Ça se fait, mais bon, je cours pas après. Mais c'était sympa, j'étais content de l'expérience. Je voulais savoir ce que ça donnait. Et puis, ça m'a bien nourri parce que j'avais 1,5 kg de farce. Et j'avais, j'ai pris deux fonds de pâte à tarte, quoi, deux fonds de pâte brisée. Donc ça m'a fait, j'ai mangé, quoi, on va dire, un peu plus d'1,5 kg avec la pâte. Ça tient au bide, hein, ça m'a fait deux repas. On peut s'asseoir aussi ici, il y a aussi un... Oui, ouais, il y a plusieurs bancs à droite à gauche. Puis là, ils sont beaux, ils sont robustes, ils sont entretenus. Et bah, le parc, il a l'air assez... Vous savez pas, c'est un parc de riches, tellement c'est beau. Quoi, le parc pour les riches? Le parc riche parce que ça devient entretenu. Oh, ouais. Non, mais hey, tu rigoles, mais on peut saluer les équipes vertes de la ville. Et puis, ils ont énormément de surface à gérer et ils font un super boulot. Il y a moins de monde. C'est pas très... C'est peu fréquenté, le parc de Brabois, mais... C'est dommage. C'est comme je disais, c'est en hauteur, c'est un peu éloigné. Parce que les gens, ils y vont pas trop. Puis là, je trouve que ça fait un peu... Ça rend un peu de cacher le... Le centre équestre juste à côté, ça rend un peu de cachet. Ouais. C'est intéressant. Vache, le soleil qui tape! J'en reviens pas. Même là, le vent, il est chaud. Qu'on a de face. Le vent est chaud! Putain, c'est fou! Sortir Victor Grignard. Ah, c'est ouvert comme ça. Ouais, couvercle. Ah oui. On est obligé. La vue, c'est le belvédère justement, qui était indiqué par le chemin. Ah, c'est le parc. Oui, c'est le jardin botanique. Le parc jardin botanique. Yep. Je crois que c'était du côté. Non, c'est ça, c'est le botanique. Là, on voit le campus des sciences. Alors, il y a un truc particulier sur la forme du bâtiment. Quand on regarde sur du ciel, ça fait un microscope. Ah ouais? Oui, tu regarderas sur Google Maps. Ça fait un microscope, ouais. C'est excellent ça. C'est excellent.
Effectivement, il faudra qu'on vérifie tes dires. La vache! C'est chaud, hein? Oui, je suis irradié. Je suis en train de cramer au soleil. Je n'en reviens pas. On est le... Je sais plus, j'ai dit quoi? On est le 9 octobre, je crois. Oui, on est le 9 aujourd'hui. J'en reviens pas. Je cuis. Ah, c'est bien, je peux poser la perche. On voit les nations là-bas, de Vendeuvre. De quoi, quoi, quoi? On voit comme centre commercial, tu sais, l'espèce de symbole rouge et blanc. Ah oui, oui, la fausse leur. Ouh, ils ont eu des problèmes techniques là-bas. Le mois dernier ou au courant de l'été, ils ont eu un gros problème de clim. Et en fait, ils se sont rendus compte que le flux d'air de la clim était mêlé à l'évacuation des frigos de je sais plus quel resto. Peut-être le resto du bowling d'ailleurs. Qui a été saccagé d'ailleurs depuis, lamentablement, ouais, par des vandales. Ça puait une odeur de charogne. C'était horrible. Il paraît que les gens étaient pris à la gorge et ça donnait vraiment envie de vomir. Et en fait, ils ont complètement merdé la... réparation. Ouais, ouais, ouais. Du moins, durant les travaux, ils ont complètement merdé les flux d'air vicié et d'air sain. Et ils ont empoisonné, enfin, gazé pas mal de monde. C'est... Oh, le terme gazé, c'est un peu mal. Bah ouais, mais oui, je sais, par rapport à la référence tragique historique, bien évidemment. Mais une pensée pour toutes les victimes, tu m'étonnes, c'est horrible. Mais non, mais même, c'est vraiment une gêne considérable, quoi. Déjà, les personnes d'état normal, en bonne santé, le trouble est sévère. Mais alors, imagine ceux qui ont déjà des gènes au niveau de la respiration, ou des allergies, ou je sais pas quoi, c'est un coup à tomber dans les vapes et se faire mal, quoi. Donc là, on voit jusqu'à 10 km à peu près, pas les Vosges, actuellement. Les Vosges, tu peux pas les voir d'ici. Parce que c'est brouillard. Non, c'est pas parce que c'est brouillard, c'est parce qu'on est mal orienté. Les Vosges, normalement, tu devrais les voir. Il faudrait qu'on vous voie à droite de nous. Donc, non. Là, on regarde en direction de devant nous. C'est l'Allemagne. L'Allemagne. Plus sur la gauche, on va vers la Belgique et le Luxembourg. Là où il y a des éoliennes, complètement à gauche de l'écran. Attendez, j'essaie de mettre mon doigt là où je veux montrer. Là, les éoliennes, c'est la Belgique. Et là, tout le reste là-bas au loin, c'est vers l'Allemagne, le Luxembourg. Le Luxembourg doit être là, à vérifier, mais je pense que le Luxembourg est là. Belgique, Luxembourg, et là, tout le restant, c'est l'Allemagne. Les Vosges sont complètement là-bas. Non, là, on regarde en direction du nord-nord-est. Ouais, nord-nord-est. Ah, je suis catégorique. Même sud. Nord-sud. Mais non. Mais non, le sud, il est là-bas, le sud. J'ai un doute. Le sud, il est là-bas, Dayonnais. Tiens, d'ailleurs, tu es en train de me faire penser que dans la vue qu'on a, on voit le château d'eau qui a été aménagé en appartement. Ce dont je vous parlais lors d'une précédente promenade, que j'avais dit qu'on essaierait de passer au pied du bâtiment. On aurait presque pu le faire aujourd'hui, mais j'y ai plus pensé. Il est où, cet idiot? Merde, je le vois plus sur la caméra. Attendez, j'essaie de me resituer. Non, il est là-bas. Voilà, le v'là. Vous voyez le cylindre? Voilà, c'est celui-là. Ça, c'est un ancien château d'eau qui a été rénové en appartement. Mais j'ai jamais eu la chance de visiter. Par curiosité, j'aurais adoré voir. Touc! Oh la vache, ce dézoom d'une violence inouïe. Ah. Oh, les gens sont petits en contrebas. Je vois des gens dans le parc, ils sont comme des fourmis. Ils sont tout petits. Bizarre, là. Non, on regarde en direction du sud-est. On regarde en direction de... Attends. Non. En bas, c'est de Lunéville. Lunéville, c'est par là. Ouais, ah. Je suis absolument en désaccord avec toi, absolu. C'est Google qui me dit ça. Oui, bah... Attends, je vérifie encore une fois. Non. Alors là, non. Je suis absolument pas d'accord. On est en direction de l'Allemagne. Attends. Oui. T'as raison. Enfin, attends.
que je dis. Je ne vois pas. Ça te fait si mal que ça d'admettre que j'ai raison? Ben, oui, c'est engueulade de vieux couple, tu sais. Direction du... Oh, qu'est-ce que j'ai vu? Oh, j'ai une jolie belle. J'ai vu de jolies libellules. On appelle la chanson enfantine japonaise Tombo no Megane, Tombo no Megane. La paire de lunettes de la libellule. Tombo veut dire libellule en japonais. Et Megane, c'est la paire de lunettes. T'as raison, mais il faut là. J'aime toujours vérifier mes sources. Non, direction Lunéville. C'est le de Paris, direction Lunéville. Je te dis crotte. Voilà. Et Luxembourg, c'est par là. Oh non, oh non, oh non, 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 non. Là, tu m'as pointé la Bretagne, les États-Unis par-delà l'océan. Ah bon ? Non, 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 non. On est toujours en désaccord sur les orientations. Ah, complètement. De toute façon, c'est un non-problème, le paysage est magnifique et j'espère qu'on va pas tarder à bouger parce que là, je commence vraiment à fondre au soleil. Bon, on y va, on bouge. Merci. J'ai un peu plu. Tiens, d'ailleurs, ça fait une heure que j'enregistre, je vais couper là et je vais reprendre après.